Je m'appelle Rémi Jégard. J'ai commencé à courir à l'âge de 13 ans, ce qui fait déjà plus d'une trentaine d'années. Donc j'ai été sensibilisé au monde du trail très vite, dès que c'est apparu et c'est devenu ma passion. J'avais entendu parler de la Barclay, la fameuse Barclay. Je voulais surtout voir ce que c'était. Je me suis toujours dit que j'irais un jour découvrir cette épreuve. J'en avais déjà entendu parler et à l'époque, c'est vrai que je m'imaginais que c'était une course comme une autre aux États-Unis, comme la Hard Rock ou la Western. Un jour, il y a un Français qui a été, c'était en l'an 2000, je crois, un gars assez connu dans le monde de l'ultra. Il a fait un premier tour sur les cinq, il a fait un tour et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai contacté Laz du coup et après, Laz choisit 40 coureurs. J'ai la chance d'être sélectionné, d'être pris par Laz. J'ai dû un peu sympathiser avec lui. À la Barclay, c'est difficile en quelques minutes de résumer une épreuve comme la Barclay. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le mystère qui entoure la course, si on peut appeler ça une course, parce que c'est plutôt une grande aventure. C'est une évolution dans un parc du Tennessee, le Frozen Head, où Laz a tracé une quarantaine de kilomètres et avec 4000 mètres de dénivelé sur ces 40 kilomètres. Pour faire un tour, il faut finir le tour en une douzaine d'heures, ce qui fait qu'on se retrouve au total, ceux qui arrivent à faire 5 tours, c'est quand même 200 kilomètres, voire plus, et surtout en gros 20 000 mètres de dénivelé, quoi, ce qui est absolument énorme. J'y suis allé une première fois l'an dernier. Je dois dire que j'étais quand même très très effrayé, ou j'avais très peur avant même d'arriver dans le parc. J'ai fait une boucle dans les temps, validée. Donc, cette année, il m'a repris et je saisis la chance, comme ça ne se reproduira pas forcément dans l'avenir, je pense. L'objectif, ça va être simplement d'essayer de faire mieux que la première. Voilà, de retour sur le Frozen Head Park. Là, je suis sur la barrière jaune, la Yellow Gate. Donc, il faut essayer de la toucher le plus de froid possible, évidemment. On va pas tarder à attendre le départ. On ne sait pas trop à quelle heure. Ça peut très bien être tout à l'heure à minuit, dans quelques heures. Donc, la pression va commencer quand même à monter. On va la préparer le matériel avec le camel. For moving up, and then you can jump down and it gives you that impact on your. Then from here to that. Toute la cérémonie, un peu de remise au dossard, vient de se passer. En fait, c'est pareil, Laz il décide à quelle heure il le fait, on ne sait jamais. Là, ça a commencé très tôt dans l'après-midi. Je lui ai remis le t-shirt, comme la première année, on remet une plaque d'immatriculation. Et quand on revient, on lui amène un t-shirt d'une course qu'on a choisie. Alors, moi, j'avais choisi le marathon de Toulouse. Chaque année, une quarantaine d'inscrits et il en reprend une vingtaine de ce qu'on appelle des vétérans, de ceux qui sont déjà venus. Et on a vu que Jared était dans la liste. Il a terminé deux fois, donc c'est quand même un sérieux client. Moi, je pense que ça va être le gars à suivre. Je pense que même les gars costauds vont essayer de le suivre. Il devrait terminer encore 5 tours cette année, je pense. Because he came once and physically he is very strong,
I think a lot of people are not really prepared the first time. It's the kind of race, you give them a better chance to get more than one opportunity to get it right. And he wanted to come back. And then this time he knows. Last year he didn't really know. This time he knows. So do you think he's gonna finish the race? If I had to bet, I always bet on the race because it has a pretty good record. The runners don't. I think he will do better than last year. He will go out into the darkness on that second loop, and out there he will learn things about himself. Okay. Every you have a bib number, and you get the page that marks your bib number, and it shows that you've been to this place. James Earl Ray, the assassin of Martin Luther King. Yeah. He was housed here. Yeah, I know. But he went over the wall back here with a makeshift ladder made out of pipe. This is the cafeteria. This was the most dangerous place in the prison. Lots of people died in this room. Violent, ugly death. Over time, they come along. And then when they first come out, you wouldn't like to spend a year here? Wonderful. But you'd have to, half the day you'd be out in the fresh air of a coal mine. Ouais, il est 6h du matin, on n'est toujours pas parti. Ça fait partie un peu de l'ambiance ou du stress, mais bon, à la fois on dort bien parce que ça, c'est une longue nuit, mais à la fois on se réveille, on se dit ça va partir, on a l'impression qu'on a entendu le coquillage alors que c'est pas vrai. On se demande si tout le monde ne serait pas parti, qu'on serait encore dans la voiture tout seul. Et la nuit, bon, c'est un peu oppressant la forêt quand même, quand ça fait tout de suite peur, donc on est vraiment dans l'ambiance. Maintenant, ben, on attend. Comme Laz est allé, il est allé au lit à 3h du matin. Donc le temps qu'il se relève pour donner le départ. Voilà, ça fait partie de l'ambiance de la Barclay. Pourquoi la Barclay? Parce que c'est une course atypique.
C'est ce que je recherche, ayant déjà fait une traversée de l'Atlantique à la rame. Je recherchais à peu près la même chose, mais sur un support différent. Bah en fait, cette course, pour moi, elle est tellement pure dans son approche, tu peux pas la faire à moitié. Si j'arrive pas avant la nuit, c'est que j'y arrive pas. Quoi. Oui, non. Même parce que mon assistante là, que dalle. Je vais mettre en short et. Alors, Benoît, t'es prêt? Je crois que je suis prêt cette fois-ci. Je suis pas prêt, c'est trop tard. When you get there to that place, bring a small rock. Oh yeah, and.
Yeah, because you slow only yourself down. Are y'all going to take a break or just go straight out? For a few minutes, yeah. Good job, man. You did really well. Yeah. Nice job, Gary. Yeah, well. See you back in a minute. Après j'ai fait sans arrêt le tour du tu sais, c'est des gros blocs de mine de granit. Je sais pas comment j'arrivais pas à voir ce petit virage. Tu sais, le truc vert, le chemin vert, il part et continue. Il y a d'autres traces blanches et il fait le tour du truc. Mais il y a un tout petit virage que j'ai jamais vu. J'avais même capitulé, je m'étais assis, bon allez, je me repose un peu. Et je commençais à me demander si j'allais pas dormir là-haut. Parce que je m'explose le genou dessus et ça fait une croix de douleur, c'est pas la fatigue. Pour la nuit. Ça tourne. Ouais. Bon alors tu repars Rémi ? Et ouais parce que je m'étais promis de, l'année dernière de repartir quoi qu'il arrivait. J'ai encore une petite marge, je vais essayer de faire ce que je peux la nuit. Je vais jusqu'au bout. Alright, it's Rémi. Alright, you're gonna get that second one? That's your behind 100 mile pace. Bien avant Rémi hier soir, qui sont partis sur le deuxième tour et qui ont erré toute la nuit parce qu'ils ne trouvaient pas le deuxième bouquin, seulement le deuxième, tu vois. Mais bon voilà, c'est la Barclay. Ça a été une longue nuit. Bon, je suis à la fois un peu content d'être reparti dans la nuit pour le deuxième tour. Après, bon, un peu déçu parce que la nuit, orienter la nuit, c'est quand même quelque chose de très dur, sauf vraiment quelque chose de dingue. Après, il y a beaucoup de portions quand même hors sentier qui sont phénoménales, quoi. Sorry to last. I couldn't find book freaking whatever two. Book two. Ouais, c'est sympa, mais c'est horrible, quoi. C'est un truc de dingue. Ah non, j'aurais pas refait un deuxième tour, hors de question. We have a desire to find out what is our limit. How good of a runner am I? Because no one could finish it. Then the second year, no one finished. The third year, I finished. Like this one didn't last very long because it was cold out, so if it's really cold, obviously that really kind of good. But the... Yeah. Tu repars sur la troisième ? Non. Laisse-moi. Allez, bon courage. Yeah.
have a couple of pages. You could get one like that. Formality. Yeah. And we can retire this for the year. Awesome. You might want those. Yeah, it was great. Better than the last two? Way better. Appreciate it. Thank you. Aww. Good job. Non, c'est une belle leçon. En tout cas, moi, je sais que je ne ferai jamais 5 tours. J'en suis conscient aujourd'hui. Je viendrai m'efforcer de faire les 3 tours en 40 heures et déjà faire très déjà, dur. C'est une grosse performance. Et déjà, va falloir les faire. Parce que cette année, il n'y en a que 3 qui ont fait les 3 tours en 40 heures. Ouais. Là, c'est phénoménal. On n'en revient toujours pas. Il arrive tout pas frais. Hein. Il est marqué, mais... Tout relax, il répond à toutes les questions de tout le monde et puis il prend son temps, il savoure le moment. Le moment qu'on vit là quand il arrive et qu'il prend le temps de répondre à tout le monde, c'est vraiment extraordinaire. C'est un moment magique. C'est là franchement qu'on sent que la Barclay c'est quelque chose de totalement différent de tout ce qu'on connaît. Parce que vivre ces moments cool comme ça, hors du temps, c'est magique, c'est chouette, j'adore.